Quels sont les différents professionnels qui travaillent dans une crèche ? Lorsque vous confiez votre enfant à une crèche, vous êtes généralement en contact avec les puéricultrices qui sont là le matin pour l'accueillir et le soir quand vous revenez le chercher pour vous raconter comment s'est passée sa journée. Mais elles ne sont pas les seules à l'encadrer. Direction, personnel de cuisine et de logistique, c'est toute une équipe qui veille et travaille au bien-être des enfants. Chez nous, à partir de 6h du matin, on a l'aide logistique, qui est vraiment celle qui fait les repas et qui s'occupe de la propreté dans la crèche. Et puis dès 7h, on a la première puéricultrice qui arrive et il y en aura 4 autres qui arriveront au compte-gouttes dans la journée pour couvrir jusqu'à 18h30. Il y a mon poste de direction et de TPMS et il y a aussi une autre carte en TPMS qui va venir se greffer bientôt à notre crèche. Une accueillante d'enfants, qu'est-ce que c'est ? Alors, mon métier consiste à être attentif aux besoins de chaque enfant. Il faut veiller à leur bien-être et à leur développement et aussi avoir beaucoup d'échanges avec les parents. C'est vraiment important. Un enfant peut être bien, pas bien par rapport à ce qui se passe à la maison. Donc, c'est important les échanges avec les parents. Qu'il s'agisse d'une crèche ou d'une accueillante à domicile, tous les professionnels de l'accueil des petits-enfants sont formés et encadrés afin de répondre adéquatement aux besoins quotidiens de chacun. Ils contribuent également à leur bon développement en collaboration avec les parents. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur la page web Air de Famille, Accueil, quel métier ? Retrouvez Air de Famille chaque semaine dans Soir Mag et Soir Mag Plus.